Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars, Ça va être une vidéo assez lourde. Parce qu'aujourd'hui, on a tout simplement monté un deuxième brawler rang 30 Donc, souvenez-vous, c'était euh, il y a quelques. peut-être un mois, je dirais. J'avais monté Colt 30 en ciblage. Donc, euh, j'étais quand même plutôt content de la performance. Et là, cette saison, euh, je m'étais dit que j'allais réitérer, en fait. Et parce que, parce que le ciblage, c'est vraiment un mode que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, je me motive, je tente de mettre PAM 1000 trophées. Et elle est là, bien évidemment. Euh, je suis super content franchement Donc j'ai réussi voilà Là je l'ai mise euh, 1000 trophées euh, il y a on va dire à peu près une semaine Mais je vous fais la vidéo que maintenant car euh, entre temps j'ai pas trop pu Donc voilà elle est là rentrant Franchement je suis super content Et si on va dans le classement général Je suis premier français avec Pam Donc je sais pas si je le suis toujours euh, tout de suite En fait j'ai pas checké euh, mais de toute façon je vous mettrai un screen euh, Parce que dès que je l'ai mise 1000 euh, tout simplement Je suis arrivé premier français Donc là comme vous pouvez le voir on est déjà 29e monde ça fait plutôt plaisir Et en France voilà on est toujours premier français Ça se joue à quelques trophées de différence avec les autres Et on est que deux en France mine de rien à l'avoir 1000 pour l'instant euh, Pour cette saison donc voilà je suis quand même assez content Alors ce que je voulais vous faire c'est vous proposer du gameplay de PAM euh, plus exactement euh, le, euh, la game tout simplement où je l'ai mis 1000 et peut-être une autre game mais en fait entre temps j'ai beaucoup joué et au final dans mon, dans mon journal de combat il bon, n'y a plus les matchs en fait j'y ai pas du tout fait attention du coup ce que j'ai fait c'est que hier il y avait le marathon qui était en ciblage je me suis dit vas-y je fais les games de marathon euh, en ciblage comme ça ça me permettra quand même de vous montrer euh, un petit peu de gameplay avec PAM donc c'est parti Ok donc on est parti pour se regarder un petit gameplay que je vais vous commenter tout simplement. Voilà on va lancer la vidéo. Donc c'est moi qui ai enregistré ça, c'est tout simplement voilà je vous ai expliqué euh, les games de marathon qui étaient en ciblage d'hier. Alors j'ai pas fait une énorme performance parce que c'est pas une map qui est très adaptée pour PAM, je vous le dis tout de suite. Mais voilà j'ai quand même réussi à faire, euh, à faire des, des petites positions histoire de vous proposer un peu de gameplay et surtout de vous expliquer comment on joue PAM. Donc là, au tout début, déjà, euh, vous pouvez voir que je fonce au corps à corps avec le boss. Je vais mourir assez tôt parce que sur cette map, le robot se met quand même assez tôt euh, en, en forme invincible. Et là, bon, j'étais pas très haut matchmaking, on va dire, donc je peux me permettre de mettre des. faire des petites erreurs. Donc, pam, ce qu'il va falloir faire avec, déjà, c'est ne pas du tout être agressif. Ça, c'est très basique dans le ciblage. Plus vous montez, plus les gens vont, vont finir par arrêter de, de vous tuer, même quand le robot est touchable. Et si vraiment vous. en fait, vous voulez quelqu'un ou, ou faire des dégâts charger votre ulti par exemple pour colt faites le quand le robot est intouchable parce que sinon ça sert à rien parce que vous gâchez la game des gens mais surtout vous vous perdez beaucoup de temps et ça c'est 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 beaucoup trop euh, vous pouvez pas perdre trop de temps en hein, ciblage vraiment c'est un mode qui est très très rapide en fait du coup là euh, avec pam dès que vous mourrez pas besoin de prendre 5 gemmes hein, vous avez juste à prendre une ou deux gemmes et euh, ça fait totalement l'affaire donc pam c'est un brawler qui fait énormément de dégâts au corps à corps comme vous avez comme vous allez pouvoir le voir euh, tout au long du gameplay, voilà là au corps à corps je gagne énormément de place en seulement quelques coups. Bon malheureusement je suis un peu fait focus par les, les gens dans la game, mais vous voyez que là j'ai pas énormément touché de la game parce que je suis pas mal mort parce que en face bon ils savent pas forcément énormément trop jouer du coup ils me tuent assez rapidement. Mais j'ai quand même une bonne position car je fais énormément de dégâts. Alors là si j'ai attaqué Isa, c'est tout simplement euh, pour me faire respawn en fait le plus rapidement possible près du robot qu'il a là il était plus touchable. Donc là, vous allez voir qu'on est en top 3 et, et qu'on va quand même trouver un moyen de faire énormément de dégâts. Alors là, j'avais mon ulti parce que j'avais dû euh, tout simplement attaquer sur des gens qui, qui m'attaquaient euh, sans trop de raison. Et là, vous allez voir, voilà, au corps à corps, on fait vraiment énormément de dégâts. C'est surtout là-dessus que, que va se jouer en fait tout le gameplay de PAM. Et donc normalement, on va faire un petit top 2, je pense. Sur cette game voilà bon une petite game tranquille top 2 top 2 dès qu'on est dès qu'on est en train de rush les trophées avec Pam c'est déjà bien hein, parce que ça vous rapporte pas mal de points donc là vous voyez c'est du marathon on va avancer voilà à la prochaine game alors là sur cette game vous allez voir qu'il y a eu pas mal de petites erreurs aussi qui ont été faites mais euh, en tout cas si je dois vous conseiller des maps avec Pam ça va être surtout en vrai c'est à peu près toutes les maps mais surtout les maps qui sont ouvertes car euh, avec pas vous allez quand même pouvoir tirer de loin pour gratter des dégâts si vous si vous pouvez pas trop vous rapprocher mais voilà si vous pouvez vraiment vous rapprocher au maximum du boss faites le ça, ça sert à rien non plus d'être totalement collé puisque après le boss vous vous met des coups de poing et vous fait perdre des dégâts mais essayez d'être à mid range avec le boss pour euh, pour envoyer tous vos boulons pour pas en rater un seul et pour faire en gros un maximum de dégâts euh, donc il faut savoir d'ailleurs pour ceux qui veulent s'intéresser au ciblage plus général, c'est vraiment Colt et Pam, les deux meilleurs brûleurs en ciblage. voilà, Si vous voulez vous focus sur les meilleurs brûleurs en ciblage, ça va clairement être Colt et Pam euh, les meilleurs. Après, il y a beaucoup de Rico, de Elisa, euh, pas mal de Corbac, c'est un peu étonnant. Et si vous voulez jouer corps à corps, ce sera plus bull, daril, et, et ouais, pam, un peu, qui, qui est un peu dans le corps à corps. Donc là, vous, vous allez voir, je suis quand même plutôt dans le mal, hein, top 8. Euh, je suis vraiment dans le mal. Mais Pam, c'est un brawler qui fait tellement de dégâts qu'on va assez rapidement remonter. Là, vous voyez, en quelques coups, on est déjà remonté top 4. C'est voilà, pour ça que c'est un brawler qui est très fort. Bon, là, après, les... le gameplay que je vous propose, malheureusement, c'est pas le meilleur gameplay. Je suis un peu déçu euh... de ne pas pouvoir vous montrer le... la game des 1000 trophées. Parce qu'en plus, j'avais fait un top 2, il me semble. Et euh... bon, là, on se retrouve euh... dans, le... dans le marathon. Du coup, le matchmaking est beaucoup plus bas. Et les gens font plus d'erreurs pour leur game, mais, mais ils désavantagent aussi notre game, c'est ça qui est un peu dommage. Donc là, on va essayer de rentrer voilà, un maximum de dégâts, bien sûr, sur le robot. Et on devrait faire voilà, un petit top 3, ça reste quand même convenable. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, si vous, vous aimez bien le ciblage. Car il y a beaucoup de personnes qui me disent Moi, je comprends pas, c'est vraiment un mode nul, tout ça, tout ça. Après, je sais que le ciblage, c'est un mode qui est assez difficile à jouer. Et qui devient intéressant vraiment à haut trophée quand les gens en face s'amusent plus à vous tuer tout simplement et que faut vraiment jouer le positionnement, le shoot, euh, faut, faut gérer tout ça en gros, gérer son temps. Donc je trouve que c'est quand même un, un mode assez intéressant. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse toute une vidéo guide sur le ciblage. Je pense avoir quand même pas mal d'expérience sur le mode de jeu pour euh, pouvoir vous donner quand même de bons conseils. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à la partager. C'est quand même une assez grosse vidéo. C'est pas tous les jours qu'on va passer des brawlers 1000. 100 pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Plaisir, pardon. C'était Theodianique Morel, je vous dis à la prochaine. Ciao.